À peine le confinement terminé, Marthe Villalonga est retournée sur les plateaux de tournage. Lorsqu'au point virgule actrice de 88 ans, connue pour avoir tenu le rôle principal de la série Maggie et avoir joué la mère de Guy Bedos ainsi que la femme de Roger Hanin, a calmé la cadence il y a quelques années. En juin, la comédienne forte de 60 ans de carrière a tourné le film Mort de rire pour Maison de retraite, coproduit par Kev Adams, qui y tient le rôle principal. À son côté, on trouve dans ce point virgule autres acteurs de légende comme Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Mylène de Mongeau qui a été atteinte du Covid-19, et Liliane Rovert. Elle y interprète une pensionnaire dans ce point virgule une maison de retraite, où le personnage joué par Kev Adams doit effectuer un travail dans ce point virgule intérêt général. Débuté en fin février, le tournage a été reporté à juin suite au confinement. Le long métrage sortira en début 2021. Elle ne chôme pas avant ce dernier projet, Marthe Villalonga, qui ne joue plus sur scène depuis 2014, a tourné dans deux films des Chevaliers du Fiel, Les Munich. On l'asco point virgule a également aperçu dans Brillantissime de Michel Larocque et la série Nina en 2018. Si elle continue d'asco point virgule assister aux premières des films et pièces de théâtre de ses amis, mais se fait de plus en plus discrète sur les tapis rouges. Une de ses dernières interviews a été donnée à Ouest France en novembre, lors d'une dédicace de son livre Tout simplement, 2003, retrouvez cet article sur Gala Meghan Markle et Harry, cette course c'est...